Estem a la vora de l'estret de Gibraltar. S'està fent de dia. Avui és dia 3. A les 7:26 ho tot bé. C'est une première barrière difficile, une première étape qui était délicate à passer. Et c'est vrai que la flotte est quand même bien séparée en deux tronçons. Sortie méditerranée très rapide puisqu'on a bénéficié de conditions optimales avec du vent portant entre 10 et 20 nœuds, surtout à l'approche de Gibraltar où il y a eu un petit renforcement. Tonight in Gibraltar Strait we had some problem with we hit some trees or something like that. Several times, maybe 5 or 6 times. I don't know what happened, but there was a lot of things floating on Gibraltar Strait tonight. Passage de Gibraltar hier soir pour la tête de course avec une option assez prononcée de Pujula qui a amorcé son empannage tout de suite vers le sud le long des côtes, et ça lui a été très bénéfique parce qu'à cette bagarre d'empannage pour revenir un petit peu dans l'ouest, c'est Pujula qui tire son affaire au mieux puisqu'il est probablement en deuxième place et il a regagné beaucoup de terrain sur Neutrogena. Derrière, une approche très nord pour Renault, pour passer le détroit de Gibraltar, mais un bon décalage malgré tout. Et c'est vrai que la tête de flotte souffre toujours par derrière, puisque Spirit of Hungary, lui, ne passera pas Gibraltar avant une trentaine d'heures, donc un gros décalage au passage de Gibraltar sur l'ensemble des concurrents. We've got, the maximum we've had all day for more than 2 hours. So it's been really hard to make any progress. La course a toujours tiré par devant, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a des différences très importantes entre ceux qui ont pris le premier wagon et les autres. Records à tous. Didac, saluda.